Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Ouais, je sais. Ça fait très longtemps mon absence sur YouTube. C'est nul, je sais. J'ai pris des vacances pour me reposer. 4 jours, ouais. J'étais pas là pendant 4 jours. Bon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous. N'oubliez pas de lâcher un like. Je dis ça tous les jours. Toujours quand je fais une vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et puis voilà. Et mettez un pouce bleu. C'est parti pour une vidéo très cool qui va s'appeler Minecraft Aventure Survie Hashtag 1. La partie 1. On va commencer l'aventure survie. Et oui, les gars, on va commencer. Je suis beau. J'ai changé d'habit. Cette fois, j'ai changé d'habit. Steve change tous les jours d'habit, il est très propre. Bon, on va commencer cette vidéo. Voilà. On va commencer l'aventure survie. 1, 2, 3, ça commence. Bon, cette fois, bah, déjà, comme d'habitude, quand on commence, on a un coffre. On a un coffre. Un coffre de départ. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Et dans ce coffre, il y a une pioche qu'on va prendre, une hache, un truc comme ça, un truc en bois, et c'est parti. Après, ça, on n'en aura pas trop besoin, c'est pour ça qu'on va le remettre dans le coffre. On aura besoin de la bouffe, d'une bouffe. N'oubliez pas de créer, n'oubliez pas d'écrire si ça vous a servi, parce que, enfin, si vous avez aimé. Voilà, elle est cool la vidéo. Je fais des petites vidéos comme ça. Voilà, on va mettre tout ça dans l'inventaire et tout ça. On va prendre de la bouffe. La bouffe, c'est très important. La bouffe. Ouais, je sais pas parler, je sais. Je dis bouffe. Voilà. Bah, quelques bâtons. Toujours besoin de bâtons. Voilà. On va prendre aussi ça. En fait, on va prendre tout ce qu'il y a dans le coffre. Voilà. On va prendre ça aussi. Voilà. Et le coffre. Lui-même. Et voilà. Bon. Déjà, bah, pour commencer, avant qu'il fasse nuit, bah, il faut surtout construire sa maison. Il faut faire vite parce que il faut faire vite. Parce que si il fait nuit et qu'on n'a pas encore construit notre maison, pas bien. Alors on va essayer de faire le plus vite possible. Déjà, pour commencer, comme on a déjà une hache, bah il faut crafter un établi. Il faut crafter un établi. Et pour créer un établi, bah il faut tailler de l'arbre. Alors on va commencer de tailler l'arbre. Monsieur Poulet, désolé. Bon, merci. J'aime pas les poulets, moi. Moi, j'aime pas les poulets Minecraft. Je déteste les petits poulets de Minecraft. Un petit poney. On va encore couper d'arbres. Les arbres, on va encore. Je peux couper les arbres. Voilà. Après, quand vous pouvez pas atteindre, bah, je crois que tout le monde sait faire ça. Quand vous pouvez pas, bah, vous mettez juste ça. Et hop. Et voilà, vous avez atteint le sommet. Maintenant, vous pouvez continuer à découper le bois. Ah, j'adore couper le bois. J'aime le bois. Voilà, est-ce qu'il y a encore du bois? Encore truc comme ça. Mais il y a plein de bois ici. Il y a plein de bois dans cet arbre. Abonnez-vous si vous aimez couper du bois dans Minecraft. Abonnez-vous. Abonnez-vous et lâchez la cloche de notification si vous aimez le bois dans Minecraft.
Bon, où j'étais, voilà. Je dois découper tout ça. On va descendre. Bon, on va voir combien on a récolté de bois. Alors, on a 23. On peut crafter 23 planches. Alors, on va prendre. On va transférer tout ça. Voilà. Ah, il y a déjà un stock en fait là. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça, ça et ça. On va le jeter. Voilà. Encore un stock comme ça. Oh, on a plein de planches. On a beaucoup de planches. Bon, maintenant. Bah... Oh non, il fait nuit! Bon, bah on va devoir vite construire notre maison. C'est parti pour la construction de la magnifique maison. Attends, déjà, on va faire le contour. On va faire le contour. Il nous faut une épée. Il nous faut une épée. On va créer un établi. On va le mettre juste au milieu. Hop, on va prendre. Déjà, il nous faut une porte. Il nous faut une épée pour se protéger. Où sont les petits zombies? Où sont mes amis zombies? Ne me touche pas, c'est les zombies. Ah, il faudra se protéger des zombies. Il y en a beaucoup dans les parages. Il y en a vraiment beaucoup dans les parages. C'est bizarre. Bon, on a tué quelques zombies. J'espère qu'il n'y en a plus parce que sinon je pourrais pas survivre toute cette nuit avec des zombies partout. On doit vite construire la maison. On doit vite construire la maison. Allez, c'est parti, on va construire cette maison. On doit faire 8. Hein. On est... la moiture survie, elle est mal. Hein. Ah, là, on est très mal. Bon, j'ai une petite idée. Bah, pour passer plus vite cette nuit horrible, ouais, j'ai une petite idée. Déjà, on va faire ça. On va crafter un lit. On va crafter un lit. Il nous faut quoi pour crafter un lit? Bah, pour un lit, il nous faut de la laine. Voilà. On va essayer de tuer un mouton pour avoir de la laine. Je sais, on est cruel. Ah, on est mal parti là. Là, on est très mal parti. Bon, on va aller tuer un mouton pour survivre cette nuit désagréable. C'est parti. On espère qu'on va pas mourir cette nuit. Où pourrait-on trouver quelques moutons pour faire de la laine? Il faut pas trop s'éloigner de la maison parce que sinon, ça va mal aller. Alors, où on peut trouver de la laine? Ah merde, putain. Comment je vais faire pour traverser tout ça? Je peux pas traverser tout ça, il y a un cratère. Attends, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une petite idée. Comment on pourrait traverser tout ça? Voilà, c'est bon. Oh non, un crapaud, un crapaud. Ah oh, putain, ça c'est dangereux ça. Squelette, viens ici. Hop.
Connard. Voilà. Désolé pour le petit gros mot que j'ai dit. Ah ouais, moi je dis des gros mots. Bon, où sont les moutons? Ils se sont cassés ou quoi? Où sont partis tous les moutons? Ah non, merde. Je dois en bouffer. Je vais le tuer, connard. Sale connard, vas-y, meurs. Où sont les autres? Connard. Connard, meurs. Vas-y. Allez, on continue de chercher les moutons. Les petits moutons. Encore un squelette. Merde. Encore un squelette. C'est bon. Ah non, mon épée a presque plus de vie. C'est pas bien. Je suis un survivant de Minecraft. Ah, quand même, la nuit c'est dur, hein. La nuit c'est dur, c'est très dur la nuit. On devrait creuser un petit truc. Merde, je dois manger quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais encore manger? Du pain, du pain. Ah, je crois que je veux pas la survivre cette nuit. Je dois survivre cette nuit. Bon, on va retourner à la maison parce que là on commence à s'éloigner. On va retourner à la maison. Hop. Bon, cette nuit est assez difficile. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai pas de lit. J'ai rien pu faire là. J'ai à peine construit ma maison. Ça me fait peur. Je crois qu'on va pas pouvoir survivre cette nuit. Ça fait peur. Mais bon, on va peut-être survivre cette nuit. Il faut espérer qu'on va peut-être avoir de la chance si on tombe pas dans ce cratère. Oh fuck. Ça c'est nul. Pas perdu mes fers. Bon, heureusement ici il y a personne. Bon, on va faire. On va attendre jusqu'à ce qu'il y aura le petit soleil qui va se lever. Et pour l'instant, personne ne se lève. Alors, on va aller. D'abord, on va crafter une planche. On va crafter un bâton. Voilà, mais. Attends, pourquoi on peut pas crafter lâche? Si, lâche. Voilà, il nous faut une petite hache. C'est parti pour aller couper du bois. Bonjour cheval. Bonjour petit cheval. T'es très beau cheval. Non, dégage. Allez. On va aller couper du bois. Ah, ça fait quand même peur. Hein. La nuit. Non, comme ça pour tout. Voilà, c'est bon. On a tué un petit zombie. Quand même la nuit, hein, ça fait la nuit de Minecraft, ça fait le plus peur. Hein. Si vous aimez la nuit de Minecraft, abonnez-vous à ma chaîne, ça serait cool. Tout le monde aime la nuit de Minecraft. L'adrénaline, tout ça, cool. Toujours cool. Pauvre arbre, hey, l'arbre il est, waouh, l'arbre il est juste comme ça. C'est un truc de malade. Bon, on va découper cette petite arbre. On coupe. Voilà. Yes! Le soleil va bientôt se lever. On a survécu cette nuit. On est trop fort. Mais en même temps, il faut encore couper un petit peu d'arbres. Parce que si on coupe pas d'arbres, bah, on n'aura pas de bois et on pourra pas finir cette petite maison qu'on n'a pas pu finir. Allez, encore un petit peu de bois. On va essayer de finir cette maison.
Allez. On va convertir ça. Hop, 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 hop. Voilà, un stock de bois. Ah, mais j'avais un stock de bois là. Ça se fait pas. Le plus important, c'est d'avoir un coffre. N'oubliez jamais, si vous voulez survivre et si un jour vous partez pour, je sais pas, par exemple, vous partez en bataille et vous croisez un zombie, il vous tue. Si vous êtes mort, vous perdez vos objets. Alors, si vous voulez pas perdre vos objets, bah regardez si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre ses objets quand on est mort dans Minecraft. Si t'as pas envie de perdre tous tes objets quand tu es mort, bah tu craftes un coffre, tu le poses et tu ranges tout ce qui a de la valeur dans ton coffre. Comme ça, tu le perdras jamais. Par exemple, tu ranges ça, tu ranges tout. Voilà, tu ranges tout. Tu ranges tout dans ton coffre. À part ça. Un petit poulet. Voilà. Tu ranges tout ce qui a de la valeur dans ton coffre. Et on va continuer la petite aventure survie qui est très cool. L'aventure survie. On aime les aventures survie. Voilà. On va ranger ça. On va ranger ça. Voilà, voilà. Hop. 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 Et hop. Voilà. Où est ce truc bizarre qui m'a marché sur la tête? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce petit cheval de merde là. Cheval, viens ici. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant on va continuer de construire la maison. Mais ça sera pour la prochaine partie de Minecraft Aventure Survie. Bon, l'épisode sera bientôt terminé. Bah, il est même presque déjà terminé parce que j'ai plus de temps à filmer tout ça. Bon. Merci d'avoir regardé cette merveilleuse aventure Minecraft, aventure survie Minecraft. Hashtag one. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre un like. Écrivez si ça vous a plu. Laissez un commentaire et tout ça. Et. Bah, à la prochaine et et n'oublie pas de regarder jusqu'au bout l'aventure hashtag 1 et l'aventure hashtag 2, la partie 1 et partie 2. Au revoir et n'oublie pas de vous abonner. Salut.